Ben, bon Dieu, gloire qui permet que nous la soyons. Dans le premier jour, pour nous capables de parler parole. Nous comptons, ouais, à la gloire de Dieu. Et nous espérons que nous pourrons chaque soir. Et même monde que nous pas ouais à soya, bon Dieu a permettre que nous voyons. Dans la soirée qui était. C'est votre l'a déjà fait lecture, parole bon Dieu, dans Luc chapitre 23. On a uniquement lire le 34e verset. Et c'est là exactement que nous jouons une première parole là. Luc 23, verset 34, il dit, Jésus dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Première parole l'a dit, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Ben, c'est que tout le monde qui la connaît, pas vrai? Donc, a dit première parole là, m'entendez? Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Nous espérons que le monde qui peut connaître cette parole, au cours de ce maintenant, il y a bien chance pour connaître cette parole de Jésus. Sur la croix. Bon, bien que mon dise conférence, ma femme n'est conférence message. dimanche soir, Jean-Pasteur dit, si peut-être vous avez des questions à me poser, vous n'êtes pas capable de faire ça au cours de semaine, non? Mais vous avez une chance pour faire ça dimanche soir, si tu veux. Ça veut dire, questions qui ont gagné tout au cours de semaine, non? Vous êtes capable de noter. Et puis, dimanche soir, vous avez une chance pour poser. Toute question sérieuse à la gloire de Dieu. Première parole là, comment on dit encore? Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. Bon, par contre, si quelqu'un de Bible qui vient pas, il va pas gagner pas la donne car ils ne savent ce qu'ils font. Ces premières paroles, nous connaissons que nous gagnons sept paroles que nous avons parlé de eux pendant ce maintenant. Nous espérons que nous avons passé un moment béni dans la présence du Seigneur. Amen. Semaine ça, c'est une semaine côté que en pile monde a réfléchi sur la mort de Jésus. Il a réfléchi sur la mort de Jésus et me te prend le soin pour t'attendre des servantes dans ta l'heure qui t'a dit c'est pas uniquement les périodes ça yo pour n'a penser sur la mort de Jésus. Et si c'est dans période ça yo n'a pensé sur la mort de Jésus uniquement, c'est comme si nous entrions dans la tradition. Et m'a même dit, est-ce que nous pas entrer dans l'idolâtrie? Par contre, ce qu'on arrive à comprendre, nous avons dit, si c'est uniquement les périodes ça, on a pensé avec la mort de Jésus, nous entrons dans la tradition et m'a même dit que nous entrons dans l'idolâtrie. Ça veut dire penser à Jésus, réfléchir à la mort de Jésus, pas une période pour faire ça. Pas un moment pour faire ça. C'est pas parce que c'est période pascale, bon, période ça, m'a réfléchi sur la mort de Jésus, m'a mené bac moins bien pour me pas clouer le sous quoi. M'a mené bac moins bien pour me pas cracher dans figure encore parce que c'est période ça que le t'est mort. Si c'est comme ça, quoi faire? M'a dit carrément que on a erreur. Parce que c'est chaque jour en vie où vous supposez réaliser l'importance que la mort de Jésus-Christ gagne pour vous. C'est chaque jour en vie où vous supposez à penser sur ce sang qui était versé pour vous à la croix. Si quelqu'un monde qui te compte penser à la mort de Jésus seulement dans la période ça ou du moins seulement l'heure où elle prend la scène, m'a dit ou gagne un mauvais comportement. Et assoya ou doit changer de comportement parce que c'est pas ça que Dieu attend de vous. Jésus-Christ, il vient sur la terre. Comment il fait venir sur la terre? Si nous avons fait un retour, comment est-ce que tout le monde qui l'a capable de bien comprendre ça? Pour qui ça, Jésus-Christ, il était obligé de venir? Pour qui ça, il était obligé de mourir? Pour qui ça, il était obligé de ressusciter? Et pour qui ça, il était obligé de monter dans le ciel? Et pour qui ça, il a obligé retourner, venir chercher l'église là. Dieu t'a créé l'homme,
Si nou li récit de la Genèse, n'a pour écouter que bon Dieu créé l'homme, le bon Dieu a créé tout, bon Dieu fin créé tout ça, l'a créé, il créé soleil, il créé nuit, il créé la journée, il créé oiseaux, il créé rivière, il créé tout ça, il créé tout ça nous ouais dans nature là. Et bon Dieu trouvait que faut que gagne un monde qui pour dominer sous ça que le créé. Et parce que yon nan bagay que nous pas arriver comprendre, nous pas arriver comprendre que bon Dieu créé nous pour nous dominer. Bon Dieu créé moi-même, il créé ou même c'est pour nous dominer. Vous devez connaître ça et vous devez saisir vérité ça à soi. Bon Dieu créé pour dominer. Et quel que soit domaine, quel que soit sac dans la nature là, quel que soit ça vous regardez, bon Dieu créé pour dominer sur vous. Ça veut dire en tant que petit bon Dieu, en tant que monde qui créé à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu, ou créé pour dominer sur tout ça bon Dieu fait. Mais malheureusement, nous, de nos jours, c'est ça, c'est l'inverse. Nous, c'est ça, bon Dieu, fait, yo, peut-être que l'homme a quitté dominer sous yo. Mais l'homme pas prend position pour le dominer sous ça, bon Dieu, fait. Alors, est-ce que c'est pour ça, même, bon Dieu, t'es créé l'homme, bon Dieu, créé l'homme pour lui dominer sous ça, le fait, et non l'inverse. Ça veut dire, et non pour ça, bon Dieu, fait dominer sous l'homme. Ça veut dire, m'pas qu'on est, à soi, m'da souhaité que vous pensez à ça. Est-ce que, gen bagay bon Dieu fait qui domine sous vous, ou bien c'est vous qui domine sous ça bon Dieu fait? Si c'est ça bon Dieu fait qui domine sous vous, c'est que ou pas dans le plan de Dieu. C'est vous même qui doit dominer sous ça bon Dieu fait. Et le bon Dieu créé l'homme pour l'homme dominer sous ça le fait. Satan, le diable, prend forme, serpent. Nous songeons que nous avons fait étude sur ça dans l'école dominicale. Ça veut dire, c'est pas les pattes qu'on serpent qui fait du mais Satan. Mais c'est parce que, admis, Satan, il était prend forme, serpent. Il était passé dans serpent pour être capable d'accomplir acte qu'il était de accomplir. Et on dit non, serpent, c'était une bête qui était très, très rusée. Ça veut dire, c'est pas le fait qu'on serpent pour dire bon, mais Satan, moi, ouais, Satan, je dis ya. Nous croyons que tout le monde qui est habitué à vivre dans l'école dominicale, il était très très comprendre ça. Et bon Dieu placé l'homme dans le jardin d'Éden, qui c'est un lieu de délices. Ok? Jardin d'Éden qui c'est jardin de délices. Côté que l'homme t'est à l'aise, l'homme t'est bien, côté que t'es dans le jardin. Mais pas oublier, côté que admis t'es auprès de Dieu, après les fines. Désobéi, bon Dieu, orgueil était monté, Dieu était précipité. Et l'Égyptien connaît qui place que bon Dieu lui-même lui réservait pour l'homme, qui ça l'homme pral jouit dans bon Dieu. Et c'est ça que fait, Edmi en passé par serpent, lui vint dans le jardin, lui tentait l'homme. Nous connaissons l'histoire très bien, côté que l'homme tombait dans le péché. L'homme virait d'obéi, bon Dieu, et le bon Dieu a cherché l'homme. L'homme dit, lui réalisait que lui nu, et lui obligé caché, li obligé rete loin de la face de Dieu. Et m'a dit une fois que ou quitté route bon Dieu ou entrer dans l'autre route, c'est que ou dans route pour gagne en pile problème, en pile difficulté. Parce que l'homme lui-même dans la ligne bon Dieu, l'homme était dans volonté bon Dieu, l'homme était à l'aise, l'homme pas trouvé que le était en bagaille, l'homme pas trouvé que le était nu, l'homme pas trouvé que le était inconfortable. Mais puisque l'homme li vient tourner dos à Dieu, qu'on y a l'homme vient trouver que lui inconfortable, qu'on y a lui pas capable de rester dans la présence de Dieu. Et Dieu, les dieux finit chercher l'homme, Dieu relève l'homme. Et dans Genèse chapitre 3, verset 15 ans, nous connaissons qui déclaration que bon Dieu lui-même l'était fait. Le Dieu te dit, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité, celle-ci t'écrasera la tête. Et tu lui blesseras le talon. Ça, c'était une première promesse, une grande promesse que Dieu lui t'a fait. Ça veut dire là, bon Dieu getan prédit un bagaille. Bon Dieu getan annoncé un bagaille qui pas le fait. Et ça, bon Dieu annoncé, bon Dieu parlait de petite femme. M'a fait nous dos à dos, ou même serpent ou ap mordé talon.
Et puis lui-même l'a crasé tête tout. Dans ce verset-là, Dieu est en parlé de la venue, il est en parlé de la venue de Jésus. Il est en dit que Jésus-Christ a venu, il fait un plan de rédemption, un plan de rachat pour l'homme, pour l'humanité en général. Et Dieu est en dit, mais comment ça va le passer? Ça veut dire, tu lui blesseras le talon. Ça veut dire, il va le faire passer en pile misère, il va l'humilier, il va le maltraiter. Mais l'important, c'est qu'il a crasé tête tout. Le fait qu'il crasé tête serpent, ça veut dire la remporter victoire sur la mort. Ça veut dire, non, verset ça, Dieu est en parlé de la venue de Jésus, Dieu parlait de sa mort, et il parlait de sa victoire sur l'ennemi. Est-ce que nous l'avons, s'il vous plaît? Et là, nous regardons que très certainement, Dieu fait promesse là. Et si nous t'arrêtons en fond, on coup d'œil rapidement dans Exode chapitre 12. Exode chapitre 12 qui a parlé non exactement de Pâques là. Bon, Pâques là, peut-être que nous avons un pronom plus approfondi de lui. Côté que peuple Israël qui était trouvé lui en Égypte, le peuple Israël trouvé en Égypte, qu'on y est là, malgré tout ça, bon Dieu t'a fait pour que Pharaon t'ait quitté le peuple à aller, que Pharaon t'ait endurci, et qu'on y a, Dieu a décidé pour frapper les premiers-nés de l'Égypte. Et qu'on y a, pour le peuple d'Israël capable d'épargner, bon Dieu m'a demandé pour tuer un petit mouton. Et si vous allez dans Exode chapitre 12 ou après ça, bon Dieu mande pour tuer un petit mouton. Et petit mouton, ça, il doit âgé d'un an, il doit gagner un an. Et puis, yo doit tuer et prendre sang, passer sous l'intopote. Et puis, les anges destructeurs, li a passé la poêle sang qui appliqué dans l'intopote. Et que les anges destructeurs, li pape détruit. Premier né qui gagne dans maison ça. Ça veut dire là encore c'est un type, c'est une image, c'est un symbole de Jésus-Christ. Et de Genèse à Apocalypse, Bible là pas parler de l'autre monde sinon que Jésus-Christ. Ça veut dire Jésus-Christ c'est le personnage central de la Bible. Ça veut dire et Dieu dit petit mouton ça, les dans petit mouton sans défaut. Et ça fait l'âge de 1 an. Ils sont petit mouton sans défaut et puis Dieu dit, il y a mangé, mais il n'y a pas crasé zol. Il n'y a pas crasé zol. Ça encore, c'est très prophétique. C'est très prophétique. Là, nous commençons à entrer dans parole. Là, nous commençons à parler de la mort de Jésus-Christ. Après que leur fin mettre Jésus-Christ sur la croix. Leur bras casser jambes, leur bras casser jambes de brigands. On va dire j'aime l'autre de brigand. Parce que si on dit les bras cassés, j'aime l'autre de brigand, c'est comme si on avait dit que Jésus est un brigand. Mais quand ils nous comprennent, ça veut dire. Mais c'est les bras cassés, j'aime deux brigands. Mais pas j'aime l'autre de brigand. Ok? Ils font grand erreur là. Ok? Les bras cassés, j'aime deux brigands. Et puis, ils ont fini de casser. Et puis, ils ont pris le cassé, j'aime Jésus-Christ. Et puis, leur arrivée, ils ont vu que l'Église est en mourir. Et puis, il a juste percé contre lui. Parce que l'Éternel est en prédit que Krasol va briser. Et c'est ça qui fait un groupe qui était contre chantant en musique. L'homme d'un chanté musique ça. Merci beaucoup. L'homme d'un chanté musique ça. Me dit, mais musique ça, elle est anti-biblique. Qui j'aime musique là? Il dit, les toutes frettes, tu es fin, tu es crasé zoli. Les coups de frettes, tu es fin, crasé zol. Me dit, non. Zol pas de crasé. Parce que prophétie a été gâtée en bail et c'est ça même qui t'est arrivé zol pas de craser et que là nous regardons dans Exode nous t'as souhaité que nous lisons Exode chapitre 12 là quand nous pensons pendant ce semaine nous n'avons rien pour nous faire plusieurs petits passés là dernier moi j'espère que ou lili et il y en a un autre monde qui parlait de la venue de Jésus-Christ encore c'est Esaïe. Esaïe parlait en pile de la venue de Jésus-Christ au point que il y a un auteur qui dit que qui considérait Esaïe comme cinquième évangile. Esaïe pas classé comme évangile dans la Bible. Mais Esaïe tellement parlé de Jésus, parce que nous connaissons Matthieu, Marc, Luc, Jean, c'est quatre évangiles qui présentaient nos récits, la vie de Jésus-Christ, qui accentuaient en pile sur l'histoire de Jésus-Christ, de parcours Jésus-Christ sur la terre, de naissance, de l'enmol, de résurrection, etc. Et Esaïe, c'est un prophète qui tellement parlait de Jésus-Christ dans le livre, il y a même d'avoir considéré Esaïe comme cinquième évangile, bien qu'il n'est pas classé parmi les évangiles dans la Bible. Et Esaïe,
Non seulement il parlait de naissance Jésus, il parlait, il dit un enfant nous est né, un fils nous est donné. Il dit, mais comment il a pris le conseiller, il a pris l'admirable, il a pris l'Emmanuel, il a pris le Dieu puissant, il a pris le Père éternel. Il dit, il a tout nos saillots, et il dit, la domination reposera sur son épaule. Et dans Esaïe chapitre 53, Esaïe a dressé un récit même de la mort Jésus-Christ. C'est comme si Esaïe était en roi avec les yeux de l'esprit. Esaïe est en ouais comment Jésus-Christ lui-même il pral mourir, comment il pral maltraiter, comment il pral souffler. Et je pense que nous habitués li chapitre ça, même dans ce côté que nous lisons avec yon yeux particulier au cours de semaine. Et Esaïe a dressé récit, l'a dit, li te blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Et Le nom de Christ, certainement vrai, il vient de fait. Jean ça t'a prédit. Jean ça t'a dit de lui. Et si vous lis l'Ancien Testament, vous pouvez côté que grand pile type de Jésus-Christ. Et c'est ça que fait parler de la Christophanie. La Christophanie, c'est apparition Jésus-Christ dans l'Ancien Testament. OK, la Christophanie. Ça veut dire, si vous lisez dans l'Ancien Testament, vous pouvez grand plusieurs côtés, c'est deux types de Jésus-Christ. Et là, nous regardons, et sinon, on a le livre Lévitique là. C'est un livre qui parle de culte en pile, de sacrifice, de holocauste. Il parle de ça en pile. Et là, vous pouvez que bête que vous avez tué dans Lévitique, en pile, qui c'est symbole de Jésus-Christ. Et que, sinon, le livre ça, son livre peut-être qui m'a dit, faut, ou prier en pile pour comprendre ni, parce que, ou qu'a commencé l'île et pour sentir ou décourager, parce que c'est un livre qui a en pile révélation là-dedans, lui m'a dit, l'oeuvre l'île, faut que, ou, bayon, yon temps particulier pour bon Dieu communiquer au message que le communiquer à travers l'île ça. Et que, très certainement, Jean ça t'a prédit, Jésus-Christ, living fait. Living fait pour qui ça? Living fait pour mourir. Jean Sadegretan prédit de lui. Et les Jésus vient fête, Jean-Baptiste, le nom lit dans Jean chapitre 1er, le 29e verset. Jean t'a baptisé et le regardé, lui ouais Jésus qui t'a fini. Jean font déclaration. Et déclaration que Jean fait, c'est parce que Jean était en connaissance des Écritures. Qui fait que Jean arrivait à faire une telle déclaration. C'est parce que Jean t'a connaissé, mais qui ça t'a prédit. Et parole que Jean dit, il n'est pas sorti de Jean, mais il est sorti directement de Dieu. Parce que dans Jean 1er verset 29, là, Jean ou Christ a venu, Jean dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ça veut dire, j'ai l'impression que ça que tu as fait dans le temple, ça que tu as fait dans Exode chapitre 12, là, Jean était au courant de lui. Prophétie qui te baille sous Jésus-Christ, Jean était au courant de lui. Et les gens avec Christ a venu, l'Esprit de Dieu parlait avec l'Esprit Jean pour Jean dit, mais agneau bon Dieu. Agneau bon Dieu, le nom est agneau. Agneau c'est symbole de l'innocence. Agneau c'est symbole de douceur. Agneau c'est symbole de patience. Ça veut dire, là, Jean qui t'a reconnaître Jésus-Christ comme agneau de Dieu. Et c'est en tant que agneau de Dieu qui fait le Calvin mourir pour sauver l'humanité, pour retirer péché l'humanité. Et il y a un verbe que vous utilisez dans le verset que vous aimez, c'est le verbe ôter. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, qui retire, qui enlève péché monde là. Ça veut dire, sacrifice qui t'a fait dans l'Ancien Testament, ils n'ont pas ôté le péché. Mais ils ont seulement couvert le péché. Mais ils n'ont pas ôté le péché. Ça veut dire, sacrifice à eux, ils n'ont pas de sacrifice parfait. C'est de sacrifice imparfait que ont été. Et sacrifice que Jésus-Christ lui-même l'a vini pour le vin bail là, c'est un sacrifice parfait. C'est ça qui fait ce sacrifice, il n'est pas seulement, il n'est pas couvert le péché, mais l'a retiré le péché. Et que, Jésus-Christ, l'ivini, Jean fait déclaration de lui. Et Christ, nous songeons histoire, naissant Jésus. Les Jésus fait comment que yo t'a parti d'elle pour te tuer. Et les magiens yo t'a allé pour adorer Jésus. Yo t'a offert 3 cadeaux à Jésus-Christ. 3 cadeaux, ça veut dire que c'est 3 cadeaux très, très symboliques. Yo t'a offert l'or, yo t'a offert encens, yo t'a offert myrrhe.
L'or, l'encens, la myrrhe, c'était trois cadeaux que Magio t'a offrit à Jésus-Christ. L'or offert à Jésus-Christ, l'or, c'est le symbole de sa divinité. Ça veut dire, l'or offrit l'or à Jésus, il reconnaît en Jésus, c'est Dieu. Mais que grand pile monde dit, qui dit que Jésus-Christ n'est pas Dieu? Bon, je ne connais pas qui ça a dit que lié. Mais il dit que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Mais l'œil offrit l'or à Jésus-Christ. L'or, c'est le symbole de sa divinité. L'œil offrit l'encens à Jésus-Christ. L'encens, c'est le symbole de sa vie sans péché. Ça veut dire, Jésus-Christ n'a pas un rien, absolument un rien dans lui, que ne déclarer les péchés. Et la mire, c'est le symbole de sa souffrance. Ça veut dire, souffrance qu'elle va endurer. Pour sauver l'humanité. Ça que l'Ipral passé à la croix pour libérer l'humanité de sa lia. Et il y en a un pareil, Jean dit dans chapitre 1, verset 9, verset 29 là, qui ôte le péché du monde. Ce n'est pas péché en race. Ce n'est pas péché en catégorie la retirer. Ça veut dire, Jean parle de race noire, race blanche, race jaune. Ce n'est pas yon race, péché en race que la retirer. Mais la retirer péché. L'humanité en général. Ça veut dire, quel que soit race ou, quel que soit rang, quel que soit niveau, une fois que vous mettez la foi dans Jésus-Christ, li gen pouvoir, sans gen efficacité pour retirer péché ou. Dans le chapitre côté que nous lisons pour Asoya, dans Luc chapitre 23, si que dans la chapitre là, marqué Jésus devant Pilate. C'est ça qui marqué dans tête chapitre pam nan. Jésus-Christ, Jésus devant Pilate. Comment Jésus-Christ fait devant Pilate? Ça l'a fait devant Pilate. Qui est-ce qui mène devant Pilate? Je pense que c'est autant de questions pour nous t'a poser tête nous. Jésus-Christ est venu. Il vit parmi les hommes. Et c'est ça qui fait auteur Hébreux li parle en pile sur ça. Elle dit que Jésus-Christ a capacité pour le comprendre nous en tant que l'homme. Parce qu'elle était passé dans place ça. Nous songez, Jésus-Christ était toujours à parler, toujours à dire que li gagne pour le mourir. Au point que nous songez Pierre qui t'a dit que mettre ça pas gain doit arriver. Mais il y a des choses que vous ne pouvez pas comprendre. Il y a des mystères que vous ne pouvez pas percer. Moi, je crois que pour moi, ça doit arriver. Et si ça n'a pas arrivé, moi-même, je ne peux pas prendre place ça que je suis là. Christ a toujours dit, l'a crasé le temple. L'a rebâti en 3 jours. Et si je ne me pas trompe, son temple qui prend environ 36 ans. Pour yon construit. Et Jésus-Christ dit, la prébâtil en 3 jours. Ça, c'est ton mystère. Yon pas de comprendre. Comment pour yon faire prendre tout le temps ça, pour yon construit en temps? Et puis lui-même, pour dire que la crasel, et puis en 3 jours, la prébâtil. Christ est toujours avec disciple. Il était toujours à enseigner yo. Li dit gon le k'ap rive, li pa ensemble avec yo encore. Li dit que yo gen pou yo attaquer et puis bobi yo y a dispersé. Mais yo pa de jambe ka comprendre. Qui ça Jésus-Christ t'a dit? Dans Jean 17 Jésus-Christ a prié pour les disciples. Il a demandé papa des choses pour les disciples. Et dans le jardin de Gethsemane, Jésus-Christ allait, il prend 3 ensemble avec lui pour y aller prier. Parce qu'il sentit que l'heure là est proche. Jardin Gethsemane, yo considéré li
Et Gethsemane a même qui veut dire pressoir d'huile. C'est ça Gethsemane avait dit, pressoir d'huile. Et yo considéré jardin Gethsemane comme le jardin de l'angoisse. Et rappelez-vous ce qui s'était passé en Éden. Essayez de prendre deux jardins ça. Jardin d'Éden et Gethsemane. Le Jésus-Christ a prié. Il sentit souffrance dans lui pas loin. Là il prié en première fois, là il retourné les jeunes disciples y a dormi. Et n'oubliez pas que Christ certainement c'est un mystère. Il est à la fois homme et Dieu. 100% homme, 100% Dieu. À l'intérieur de Christ, Christ commençait à sentir souffrance. Christ commençait à sentir douleur. Christ commençait à sentir agonie. Et Christ t'a besoin de disciples ta bon côté pour aider dans la prière. Christ en tant que homme, Jésus. Il t'a besoin de disciples au bon côté pour aider en prière. Parce qu'il sentit le troublé. Parce qu'il sentit souffrance dans lui pas loin. Mais pour autant, disciples abdomen. Disciples abdomen. Ou quand ça me dave les doux à soya? L'or a jeté ses manées. Ou pas facile de jouer le monde. Ou te kagon zanmi de prière. Ou te kagon payon de genou. Mais on leur arrive à Gethsemane. L'ap difficile. L'ap difficile, lui. Parce que à Gethsemane, ou absent tout seul. C'est comme si m'de kagon absent tout trahi. Pas peut-être moun qui te bon côté ou. Et c'est ça que fait. Ou suppose qu'on est qui ça la vie chrétienne nan yé. Parce que sou pas konn qui ça la vie chrétienne nan yé, gade kote ou rive dans la vie chrétienne nan, franchement, ou avant de virer don ou aller. Disciple ça, yo te toujours avec Jésus, yo t'a mangé ensemble. Yo t'a fait parcours ensemble. Mais pour que ça c'est là, à Gethsemane, qui n'a pas qu'à passer aussi tant prier avec le Seigneur. Regardez, il y a des choses qui vont arriver, c'est normal pour arriver comme ça. Parce qu'on ne peut pas qu'il y ait une dans la vie chrétienne, non. On ne peut pas qu'il y ait un niveau que vous avez avec Dieu. On ne peut pas qu'il y ait Dieu pour le faire, qui ça le planifier. Parce que, gede ta propre passe avec Dieu, c'est pour compte ou pour passer. C'est ou seul qui doit passer. Et on n'a pas de ou doit connaître. La vie m'a mené à Dieu, pas jamais la vie, pas seul aventure m'a mené à Dieu. Route bon Dieu passe avec frère du Nord, pas jamais passer avec. Parce que nous, chaque bon destiné. Nous chaque bon côté bon Dieu pour le placer nous. Nous chaque bon bagage bon Dieu pour le confier nous. Nous chaque bon mission pour le nous accomplir. Et Gondé qui dit, autant de fois que mission est grande, c'est autant de fois souffrance ou l'ivine plus grande aussi. Parce que un monde qui fait sixième année, qui fait septième année, il n'est pas qu'à remplir trois gros postes passer ça. Mais un monde qui fait université, qui fait maîtrise, qui fait doctorat, il a rempli plus gros poste parce que un monde qui fait sixième année, septième année. Ça veut dire autant de fois que Dieu va le confier une mission qui est plus grande, c'est autant de fois la meurtrie ou plus. C'est autant de fois la purée ou plus. C'est autant de fois la prigée ou plus. Et là, même comparer la vie chrétienne en tant que l'or.
Elle dit l'or, l'or est l'or dans droit la briller, c'est pas là le sorti. Avant le vinge claque ou elle gagne, yo crasé, yo passé dans du feu. D'abord. Alors là, homme de Dieu campé là. C'est souché, c'est souché à bon Dieu préparé. Gon prédicateur m'a tendé pendant une semaine, non? Monsieur fait une déclaration qui vibre. Monsieur dit comme ça, pour plante la grandir, faut aller lumière, faut aller ténèbres. Les plante là pas grandit uniquement dans la lumière. Mais elle grandit dans ténèbres. Et nous avons dit comme ça, majorité croissance leader évangélique, majorité croissance qui homme de Dieu le fait dans les ténèbres. Et dans les ténèbres, personne ne va. Parce qu'il y a un fait noir. Ça veut dire que le fait noir, c'est là où tout va, j'ai de ces manées. Là où il y a tout, là où il y a tout le monde. Où il y a angoisse. Où il y a un dent à déchirer, mais personne ne va arriver à comprendre ce qu'il y a traversé. C'est ça qui va passer à j'ai de ces manées. Ça veut dire en tant qu'homme de Dieu, sous pas d'accord pour former dans les ténèbres. La difficile pour paraître dans la lumière. Parce que ce n'est pas que sous chair, non? Qui a fait? C'est pas ça qu'a fait. Mais c'est formation, mon Dieu, à Baou. Les personnes pas là. Regardez, Mabdou, toute mission qu'on doit accomplir pour Dieu, il faut que Dieu forme. Faut qu'on passe par Gethsémané. Faut qu'on passe par la souffrance. Faut qu'on passe par mépris. Faut qu'on passe par humiliation. Dans les membres de sous secret, si on perd ou pas humiliation, ça les affecte gado. Sous tous ces hommes de Dieu ou ces femmes de Dieu, ou pas humiliation, ou pas déception, ça les affecte gado. Et qui compte bon Dieu pour aller avec tout? Bon Dieu, je ne peux pas aller loin avec vous. Parce que on dit parole que dans faut envie abandonner. Bon Dieu, je ne peux pas aller loin avec vous. Qui gros mission, bon Dieu, je ne peux pas confier. Le fait que frère, dès qu'on passe, on ne peut pas passer encore, on dit bon, je ne peux pas finir l'église ça encore. Alors que, valait pas que Jésus-Christ fait devant les disciples. Valait Jean-Christ enseigner. Et quand ça arrive, faire Christ à Gethsémané. Et là, on finit, on prend Christ pour y conduire à Golgotha. Pour y conduire à Golgotha. Golgotha, qui c'est? Qui veut dire crâne. Je ne sais pas dans le passage là. Lieu sur la tête là. Et ce petit nom, ça qui c'est crânion. Il y a un mot grec. Cranion, K-R-A-N-I-O-N, qui veut dire lieu du crâne. Le ap conduit. Et il y a deux chercheurs qui ont essayé de comprendre le mont Golgotha. Et puis, le ap essayé de comprendre le mont Golgotha. Et puis il a dit que c'est un monde qui était des gilets de pierre. D'abord, dans le passage là, nous voyons que Jésus-Christ devant Pilate. C'est l'heure fin arrêtée. Et puis, l'heure fin arrêtée, rappelez-vous. Que qui ça qui t'est passé? Pierre lui-même, l'a pris un râle et pelle. Il t'a coupé les oreilles, Malchus. Et Jésus prend les oreilles, l'alcool. Et depuis là, on est de virer. Depuis là, on est de virer. Mais on connaît pas de virer. Pourquoi on m'a fait là? On m'a fait là. Yo prend l'air fin arrêté, yo conduit directement devant Pilate.
Et là, arrivé, il y a accusé Jésus. Qui ça a dit? Il a dit, il dit, il s'est petit bon Dieu, l'a crasé de temple, l'a prébâti, il dit, c'est roi juif. C'est ça, il a bail comme accusation. Le Pilate fin questionnel. Pilate dit il va trouver un yen dans lui. Il va trouver un yen dans lui pour mériter la mort. Pilate dit m'a voyé le baïrod. Pilate voyé le baïrod. Les Hérodes, Hérodes content parce que Hérodes était toujours en vie, fait face carré avec elle. Parce que Hérodes était toujours tendé, j'ai parlé de lui. Hérodes questionné. Hérodes dit il va trouver un rien. Rappelez-vous de l'Exode chapitre 12. Petit mouton, hein, folle, sans défaut. Et c'est parce qu'elle sans défaut qui fait le calave péché. Parce que moi, j'ai déjà plein de défauts déjà. Il n'y a pas qu'à le bonheur qui a des défauts encore. Les autres ne peuvent pas jouer rien dans le lit. Les autres voient le bail Pilate encore. Et puis Pilate dit. Comme d'après coutume, il faut que nous relâchions un prisonnier. Et puis le peuple a crié, il a dit crucifiez Jésus. Banon Barabbas. Barabbas, c'est le type de l'humanité. Barabbas, c'est type moi-même. Parce que Barabbas t'a fait assez de bagailles pour qu'elle t'ait mouru. Mais en lieu et place de Barabbas, qui est-ce qui pourra le passer? C'est Jésus qui pourra le passer. Qui est-ce qui t'a péché? Nous-mêmes. Qui est-ce qui t'a de mourir? Nous-mêmes. Qui est-ce qui pas bon? Nous-mêmes. Mais est-ce que c'est nous qui pourrons mourir là? Est-ce que c'est nous qui t'es mourir là? Non. Yo bay Barabbas. Yo prend le roi des rois. Yo dit n'a crucifié. Bon, nous, quand tout m'a parlé, là, beaucoup presque arrivé sous parole là. Beaucoup presque arrivé sous parole là. Et c'est courir, m'a couru pour moi si m'arrivé sous parole là. Et là, Christ arrivé, il a fait une clouelle. Lorsqu'il fut arrivé au lieu appelé crâne, ils le crucifièrent. Verset 33, Luc 23. Ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Bon, Mounio qui dit là, en gauche, là, en droite, mais il n'y a pas de Bible qui dit ça. Amen. Ça, c'est Mounio qui dit affaire. Bible là, on dit là, en gauche, là, en droite. Au point que, il y a quelqu'un qui prend ça même pour y faire jouement. Pour dire, ou même, c'était là, on y est. Là, on fait une crucifix, Jésus. Dans verset 34 là, Jésus pral prier pour yo. Yo fin crucifié lui. Jésus pral font prière terrible pour yo. Ou konnen ça ça mande pour nous réfléchir à tête pas nous. Là, on parle mal, qui ça me fait? Là, on l'a tavlé maltraité, qui ça me fait?
Je prends la Bible, je mets dans ma tête, je lis cette somme pour lui. Monsieur, regarde tout ça, on finit faire Jésus passer. Là, yo est entré son couronne maintenant d'être lui. Bon, il dit le CEO. Depuis le CEO, il faut rien couronne. Yo craché dans figil. Et puis yo maré figil, yo maré gel, yo chaque parti ballon pour dit il dit vous dit qui est-ce qui frappe ou? Ça son petit jouet à pile. Oui? Il est omniscient. Malgré tout ça, yo fin fait Jésus passer. Yo fin crucifié nèg là. Qu'on a pour le courage, pour l'a dit, Père, pardonne-leur. Car ils ne savent ce qu'ils font. Wow. Get. Malgré tout ça, vous faites l'anglais endurer là. Oh! Bon, mais clouons en mille. Mais quoi ne pique en tête li? Quand y a le courage pour la dire père, papa, pardonne yo. Get. Papa, pardonne yo. Parce que franchement, yo pas qu'on a fait. Si c'est moi qui t'a fait un bagay, ça t'a dit. T'a dit, oh, frère Bertin, toujours dans le sous-cher, prédicateur, adorateur. Comment dit Jack Mal, Jack Mizor? Maestro, qui fait me galer des bagay ça? Ah, ou t'as déçu. Qu'est-ce qui cloue Jésus même? Pas, hein? C'est pas un cloue Jésus, non, mes amis. Les juifs, oui. Sacrificateur, baron, les gens qui n'ont pas le café service, oui. Ah, non, pas comme ça. Et papa, hein, non, cloue Jésus. Et on grave dans ces rara yo non tout qui courait Jésus. C'est pas mon rouge, on pas connait qui pas connait rien de prophétie que tout Jésus non. Et mon qui dans le temple hein. Mon qui t'attend Jésus. Qui touille encore ah oui. Ça passe yo pas reconnaître ça comme moi. Pour côté le sorti. Pour origine ni. Yo pas reconnaître lui comme moi. D'ailleurs, nous avons mouton tibouri, qu'est-ce que c'est? À l'époque, nous avons mouton chameau. Mais mouton bourri, ça sent aussi par la pauvreté que lié. C'est même les religieux, oui, qui tuent Jésus. Papa, pardonnez. Bon, le asensé à l'énet, nous ne pouvons pas parler de première parole là. Papa, pardonnez-vous. Est-ce que vous avez pensé sur le pardon? Le pardon et la réconciliation. Le pardon, c'est le fait que vous considérez une offense comme nulle. Et lorsque vous annulez une faute ou annulez une offense. Et le pardon, il y a le pardon vertical,
il y a le pardon horizontal et il y a le pardon réfléchi. Le pardon horizontal, c'est le fait que Dieu recevra pardon par moyen sans Jésus-Christ. C'est le pardon du ciel à la terre. Le pardon vertical, c'est le pardon de la terre à la terre. C'est le pardon de l'homme à l'homme. Et le pardon réfléchi, c'est le pardon de soi. Dieu pardonné, moi-même avec frère, moi dois pardonner. Et moi dois pardonner tête moi. Et peut-être il y a une bagaille, nous ne devons pas tenir compte de lui. Le pardon de soi, des fois, le compte très difficile. Bon Dieu, qu'on pardonne, oh. Frère, là, qu'on pardonne, oh. Mais ou même des fois, pas pardonner tête. Parce que vous toujours été avec un sentiment de culpabilité. C'est que vous pas pardonner tête. Qui m'ont demandé bon Dieu pardon, certes, mais vous pas croire que bon Dieu pardonne. Une bagaille qu'on ne pouvait pas croire bon Dieu pardonne, ou vous demandez bon Dieu pardon pour un bagaille, je dis, après vous demandez le pardon pour même bagaille là encore. C'est qu'on pas de quoi? Que le t'es pardonné ou l'a demandé le pardon? Pardonnez frère, pardonnez soeur. Ça encore, son paquet a fait. Et c'est sur ça même que nous avons accentué nos assoya, qui c'est cette première parole là, qui c'est le pardon et la réconciliation. Christ vini, c'est ça même qui vient fait. Il vini pour laver péché nous, pour pardonner nous et pour réconcilier nous avec Dieu. Parce que pas oublier qui ça péché t'est fait. Péché t'est acheté nous cash. Liba nous la mort, elle mettait en séparation entre l'homme avec Dieu. Et la mort Jésus-Christ, grand auteur qui dit, la mort Jésus-Christ, il fait pont entre moi-même avec ciel. Elle dit, je vais accès qu'on y a pour me joindre papa, parce que je vais passer sous pont ça. Je vais connaître qui est sa soeur qui doit pardonner. Mais c'est sûr et certain que quelqu'un mon assure qui doit pardonner. Qui doit pardonner et qui doit réconcilier. Ou doit réconcilier avec Dieu et doit réconcilier avec frère, avec soeur. Si vous doit réconcilier avec Dieu ou pas réconcilier avec frère ou soeur, ou pas qu'on fait un rien. Qui est-ce qui j'aime moi, bon Dieu? C'est frère, non, c'est seul, non, c'est lui-même, moi, ouais. M'songez, on l'aime faire une expérience, Dieu fait une expérience avec moi, son message. Bon Dieu, confirme un message pour me prêcher sur le pardon. Mais habituellement, dans l'église, je ne suis vraiment trois ans par d'activité, je ne suis pas habitué à mes thèmes dans le service dimanche matin. Et puis, je me sens ce message-là à brûler. Et me dit, qu'est-ce? Et puis, quand il y a qui dit, ah, je ne peux pas te prêcher, non? Je me dis, non. Je ne peux pas te prêcher. Je ne suis pas habitué à mes thèmes et je ne peux pas te prêcher. Et puis, je m'a prié. Je me dis, bon Dieu, si vous voulez me prêcher, faites-le mes thèmes. Je ne dis rien encore, non? Je me dis seulement, bon Dieu, si vous voulez me prêcher assez ou bon message, ça après pour me faire faites-le mes thèmes. L'église, rive l'église, là, et vous annonce, nom dans le message. L'homme de l'eau, c'était nom, me tremblait, qui me cassé. Parce que je suis tellement saisi. Et qu'on n'aime pas habitué tout.
fait tout moment dans coup m'a tremblé. Moi qui t'imagine moi pas le prêcher, me dit qu'est à pas remettre un vrai. Et puis fait semaine dans m'a préparé dans dimanche me vini. C'est ton message sur le pardon. Puis ça si bon déjà poussé pour me parler, pour me parler, pour me dire que des monde dans ça la même. Qui pas doit à la caillou. Ça n'a pas pardonné, ça n'a pas réconcilié avec des gens qui sont en plan. Et puis, l'esprit de Dieu convainc moi, dit, il y a des gens dans la même. C'est comme si c'est uniquement non, le bon Dieu, Baba, moi. Pour me citer. Vous connaissez après, ma vie nous connaît qui ça qui a gagné dans l'église là. Quand il y a des gens qui ont été planifiés pour aller à tel monde. Pour aller faire des blousailles. Ça pour aller demander compte. Ça gagne pour aller intel dans réunion, ça gagne pour aller pas connait qui côté. C'est parti catastrophe. Et puis, me fin prêcher là, mal la caille moi avec toute chaleur message là dans moi. Et puis, me prend faire répétition à midi. L'église a terminé à 10h. À midi, je vais faire répétition. Avant midi, arrivé, bon Dieu, j'étais dans mon cantique. Je compose la musique, la FAP. Rivé, je fais dans le choral, je me dis, on musique, je fais composer la ligne, pour la prendre. Et puis, moi, je commence à monter mon musique, là, je commence à parler avec eux. Je me dis, je ne sais pas combien de temps dans le choral, là, je vais chanter, mais il y a mon sous cœur, nous. Je ne sais pas qui ça m'a fait. Qui faut qu'il y ait sous cœur. Mais je me dis, si vous pas libéré, si le cœur tourne en prison, tout chante et vous faites en vain. Et puis, l'esprit de Dieu a motivé, je ne parle pas la chorale. Je ne parle pas la chorale. Et puis, quand il y a là, je dis, je ne parle pas. L'église, l'homme m'ouvre, je parle tout le monde, ça parle. Chaque monde dans la chorale. Il y a des gens qui ne pas bien. Yo go moun yo pa di bonjour. Ça ka raconte des histoires qui dit que moun sa yo pa di bonjour d'après ça yo raconte c'est te permettre que soit papa soit maman de mouri. Moun sa te joun bagay nan lan mo maman ou nan lan mo papa. Par rapport avec ça, li pa li même nan moun ki cause, li perdu proche pa, li perdu parole. Li pa li même ki pral di moun sa bonjour, li pral saluer moun sa, comment pral faire pardonner? C'est là ça que mon cap dit, regardez mon là fin dans là fin l'église là, yo pas passer par côté pour pas la main. Chaque monde dans quoi la gon histoire. Et puis quand il y a demandé qui ça pour faire, qui ça pour faire, qui ça pour faire. Et puis commence à parler des textes, m'a parlé avec yo, m'a dit yo, là yo te poser Jésus-Christ question pour demander Christ combien fois me pardonner en prochain, les femmes un bagarre qui pas bon. Et Christ t'a dit combien de fois vous pardonnez? Il t'a dit 77 fois, 7 fois. Et il y a des autres qui disent ça sont figures de style, bien que vous avez un balai en hébreu, mais son génois, qui veut dire que ce n'est pas une multiplication qu'on va faire avec chiffre. Mais son façon pour montrer que vous avez pardonné autant de fois. Quelle fois ça n'est pas bon? Femme voyez nous aller. Là après ça c'est fini net. Mais est-ce que y'a pas gen moun que nous devons pardonner là? Est-ce que nous pas gen moun que nous devons réconcilier? Bah connais soit un enfant qui est sous pas j'aime dit bonjour. Et on ne va pas alors dire tout dans 10 livres t'es pas tombé, ça pas parole chrétien. Ça pas parole on y va dans le ciel. Ça pas parole que qui reconnaît la valeur de Saint Jésus. Ça va pas le monde qui est habitué à lire première parole là. Père pardonne-leur. Malgré au souffle d'elle, Père pardonne-leur. Cloua nan men a déchiré mel, Père pardonne-leur. Sang a coulé, Père pardonne-leur. Est-ce que moi j'ai courage ça? Est-ce que vous avez courage pour demander mon Dieu pardon, pour demander mon Dieu pour le pardonner et admis?
Est-ce que vous avez le courage de demander à Dieu pour le pardonner? Moun gap chiffonner ou là? Moun gap humilier ou là? Est-ce que vous avez plus de mal pour lui au lieu de bien? Père, pardonne-leur. Ça, c'est une prière extraordinaire. C'est un amour extraordinaire. Pour malgré tout ça, fait Jésus, il a le courage de demander pardon pour eux. À ce moment-là, je ne sais pas qui est-ce qu'on doit pardonner. Par contre, si c'est son ami qui doit pardonner. Par contre, si c'est un parent qui doit pardonner. Par contre, si c'est son leader qui doit pardonner. Par contre, si c'est prof, peut-être partout qui doit pardonner. Mais assurez-vous que l'Esprit de Dieu aide à comprendre pour entrer en dedans même. Pour réaliser, est-ce que ou pas on va consacrer ou doit faire à soi? Est-ce que pas grand monde ou doit libérer à soi? Est-ce que pas grand monde ou doit bailler accolade? Est-ce que pas grand monde ou doit dire ou doit dire ça que t'es là pas là encore? Est-ce qu'on va le confesser à un monde? Pas connait personne, pas connait que personne. Mais ça que me connaît, bon Dieu connaît nous chaque. Il connaît cœur nous, il connaît pensée nous. Il connaît sortir nous, il connaît rentrer nous. Et m'a dit assoya, souvent monde pour pardonner ou pas pardonner, même sous vin là, ou lever mais en l'air, ou louer, d'ailleurs c'est corps qui va fait. Et Bible la même dit comme ça, soit approcher devant l'autel là pour nous présenter une offrande. Et quand tu connais yon moun te gon bagay kontou. C'est pas ou non? Qui te gon bagay la kont moun nan? Ou au courant que tel moun te gon bagay kontou, ou doit déposer offrande là et puis à réconcilier avec elle. Après avoir retourné vin prendre offrande là pour vin porter bay Dieu. Sinon Dieu pas recevoir offrande ça. Assoir nous chercher pardonner et à nous réconcilier. Des fois, on sent tout gros nègre. Satan en nous. Ou par contre, là, pour un pat, on met dans un paquet de bicarbonate la donne. Li monte, le gonfle. Et bien, fou, ça dit, moi-même, Bertrand, dans le film, que je suis. Non! Pour m'a demandé, tu sais, X, pardon. Jamais! Et bien, a gonflé. Et bien, faut gonfler. Et puis, on a perdu grâce, mon Dieu. On a perdu bénédiction, mon Dieu. On a en retard dans tout cela. Qui de programme que Dieu t'a fait sous vie ou il n'y a pas qu'à exécuter. Parce que, gon bagaille pour faire, on va que j'en fais. Gardez-moi, je dois appartenir compte de rang social ou. Pas tenir compte de l'étude que vous faites. Pas tenir compte de nom que vous portez. Parce que nom ne va pas mettre dans le ciel. Étude ne va pas mettre dans le ciel. Et que ce soit la classe que vous avez, ça ne va pas mettre dans le ciel. Mais c'est le monde qui marche dans la volonté de Dieu qui prend dans le ciel. C'est ça qui fait chercher pardonner. Chercher régler les causes que vous devez régler. Et que ce soit à côté de mon intérieur. Si c'est deux coups de fil que vous devez aller passer, leur rive la caillou, passez. Si c'est dans le voisinage pour courir, aller à soya, avant de dormir, aller. Si c'est un monde pour elle avant l'église à terminer, ou elle avant la caillou. Parce que, par contre, qui l'est trompette la sonne? Pardonnez, frère. Pardonnez, soeur. Pardonnez prochain, pardonnez voisin, pardonnez voisinou, pardonnez famille, pardonnez un frère, un seul église là. Et quelle que soit gravité, ça le défaut. Vous devez comme ça? Quelle que soit gravité, ça le défaut. Et ça pas aussi facile pour faire naturellement. Mais espérez, Dieu a aidé vous pour faire ça, hein? Que Dieu m'a force nécessaire pour faire ça. Et que tout esprit qui fait qu'il est captif pour ne pas accomplir la volonté de Dieu, qu'il y a un anathème. Que la puissance libératrice libère. Parce qu'il y a des gens marrés, il y a des gens qui n'ont pas marché pour vous.
Son monde vous pardonner pour code la casser. Il y a des roches qui sont la vie. Son monde vous pardonner pour roches la rouler. Parce qu'on dit le pardon, c'est une puissance libératrice. Le pardon nous libère. Dis-moi, s'il vous plaît, son grand problème avec un monde pour elle qui est cassé. C'est comme si vous finissez esclave, mon nom. De pour elle ou pas à l'aise, ou ça ou pas vivre. Même si vous avez rien bien propre, mais qu'on voit qu'elle a sauté ou perdu joie. Le pardon, c'est une puissance libératrice. Que bon Dieu aide pour pardonner à soi. Que bon Dieu aide pour pardonner. Que ce soit mon qu'elle t'aille, que ce soit sale de faire là. Que bon Dieu aide pour pardonner. Parce que Christ, malgré ça, on te fait. Il a eu courage pour te demander pardon pour vous. Et nous devons vivre à la manière de Christ. Parce qu'en tant que chrétien, nous sommes dans le centre de Jésus-Christ. Que bon Dieu fait ça dans vous. Que bon Dieu bénisse.